La plateforme pour une autre PAC propose une autre agriculture, une autre politique agricole et alimentaire. La plateforme pour une autre PAC est une coordination de différentes associations ou organisations syndicales, de producteurs, organisations paysannes, d'organisations qui ont des intérêts environnementaux ou de bien-être animal, de solidarité internationale et pour finir, de consommateurs. C'est la moindre des choses puisque ce sont eux qui sont les utilisateurs finaux de cette politique agricole puisque la politique agricole a quand même d'abord et avant tout une vocation à sécuriser leur production alimentaire. Se mettre d'accord après à 33 organisations comme c'est le cas actuellement, c'est effectivement très compliqué. Mais ça a deux avantages. Une fois qu'on arrive à se mettre d'accord pour faire une proposition commune, notre poids est plus important. Mais avant cela, le fait de confronter nos points de vue et notre vision des choses fait qu'on enrichit notre réflexion et qu'elle n'en est que plus pertinente au bout du compte. C'est plus compliqué de travailler ensemble, mais c'est bien plus efficace et notre poids est supérieur au bout du compte. Quand on défend une politique agricole, d'abord elle a un intérêt pour soutenir le revenu et assurer une alimentation pour les populations locales, bien sûr. Mais on ne peut pas faire ça au détriment des populations ou des paysans de pays où il n'y a pas de subvention à l'agriculture et chez qui l'arrivée de poudre de lait, par exemple, ou de tomates sous quelque forme que ce soit, vient concurrencer de façon déloyale les petits producteurs locaux qui, eux, n'arrivent plus à vendre leur production. Et ça induit une précarité, un appauvrissement des populations dans les pays du Sud. Ce que nous voulons, c'est effectivement qu'on accompagne avec les budgets de la PAC la transition des systèmes ou qu'on pérennise les systèmes qui sont cohérents. Un objectif, c'est de se passer de l'utilisation de la chimie autant que possible, de développer l'agriculture biologique, de maintenir l'emploi, d'accompagner vraiment une réorientation de l'agriculture vers plus de localisation, de relocalisation et produire pour nourrir les populations là où elles sont plutôt que produire pour alimenter un marché mondial. Soutenir la plateforme, c'est adhérer aux organisations de la plateforme, elles sont suffisamment diverses pour que chacun puisse y trouver son intérêt. C'est relayer les informations, relayer les messages, s'adresser aux élus, aux députés européens, aux députés français pour relayer les travaux de la plateforme. C'est également, dans le cadre des élections européennes, intervenir dans les débats des candidats, dans les meetings qui vont se dérouler, pour porter le message de la plateforme. Les uns et les autres, nous nous y retrouvons. Nous avons tout intérêt à être nombreux à le porter en toutes occasions.